Alors. Ouais. Là. Allez. Mais c'est 6 heures! C'est pas 9 heures, c'est 6... Mais bien sûr que si. Mais non. Non, c'est ça, ou alors c'était autre chose, mais quelque chose dont je ne peux pas parler sur le stream, vu que c'est encore top secret confidentiel. Ah, d'ailleurs, j'allais vous l'inviter. J'allais dire d'ailleurs, je vous invite à inclure votre audio si vous voulez participer à cette merveilleuse soirée. Ça va être l'anarchie totale. Alors, ce soir c'est Porsche Cup. Alors, une idée de chrono, oui j'en ai une. Tu veux quoi comme chrono? Tu veux chrono très rapide, chrono rapide ou le chrono de Pesca? Alors, Pesca c'est 12 minutes! 48 secondes et 20 centièmes! Non, plus sérieusement. Moi je dois tourner en... Je tourne en combien? J'ai fait combien quand j'étais au... quand j'ai fait Castellet? Je crois que les meilleurs ça doit tourner dans les 1,55. Une 55, 2,50, oui, non, 1,55. Oui, c'est ça, 1,55 je crois, et moi je dois tourner en 1,58 il me semble. Oui, parce que j'ai fait une 58 tout pile, parce que cet enfoiré de relatif, enfin de chrono, voulait pas me descendre en une 57. Alors je le méritais! Je le méritais! Ça m'est... Ouais, enfin après, faut les tenir quoi, c'est pas qu'un tour une course. Alors, qu'est-ce donc que je peux retoucher à ma configuration pour avoir quelque chose de plus sympa? Eh bah, pas grand-chose vu que j'y connais rien. Elle va pas marcher fort la voiture. C'est. Tout à l'heure, il me disait 2,31. Tiens, on va faire un calcul vite fait. Alors. Alors ça m'est... J'étais à 2,31, 2 litres 31 au tour. Si si.
Ah. Ah, t'es tout seul. Oh là. Un peu de bicarbonate de soude. T'es méchant. On va dire 2,15. Donc 2,15, ça fait 60. 120, ça fait 135. Salut Quentin. Ta gueule. Non, tais-toi. Pardon. Non, c'était toi. Ah, non, je suis à Bathurst. Je suis en Australie. Australie! Ah, bah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein! Ah, égayer déjà ma soirée, ce sera bien. Je vais peut-être attendrir un peu mon avant parce que je trouve que mon avant saute beaucoup. Avec un avant plus souple, qu'est-ce que ça donne? Ça va être inconduisible comme truc.
Brum brum brum. Bam bam. Oh là, les ruptures. Ah. Où ça? C'est un circuit qui est pas très facile parce qu'il est plat. Ouais, oui, il y a beaucoup de pas mal de doubles. Ah. Puis il y a des endroits où tu peux perdre vachement de temps rapidement quoi. C'est un peu c'est spécial. Daniel, ça fait 2 ans qu'on se connaît. Pourquoi t'attends le jour de ton départ pour montrer où t'habites? Alors... Tantadam! Tu viens de commencer le jeu, Flo? Ouais, mais c'est parce que ça va venir au fur et à mesure. Tu dois avoir des indications normalement qui te disent de rouler prudemment ou faites. Ah! Oh! Parce que... Après, il faut que tu roules en... Il faut que tu roules en... Comment ça s'appelle? Ah, déjà, ce qui serait pas mal, les gars, c'est que vous ayez vos 3 étoiles partout où vous pouvez les avoir, quoi. Parce que c'est super important, après, pour participer aux courses. Faut faire ces 5 tours propres sans sortir. Mais c'est même pas des tours rapides, hein, genre tu roules sans être réellement rapide. Enfin, tu roules quoi. Tu roules et t'évites de te sortir et puis c'est tout. Non. Non, non, mais t'as juste. Je crois que t'as juste une espèce de didacticiel avec le lambeau, je me rappelle plus trop, mais. T'as une course à faire. Je sais pas, mais je te dis déjà, le premier truc à faire, c'est avoir tes 3 étoiles partout. Déjà, au moins, ça va te mettre ton TR à le TR à 99. Déjà. Ah.
Commence déjà par faire tes étoiles. Non. Et là parce que... Ah oui, t'étais en course... course avec, avec l'IA ou pas? Parce que normalement, ton SA, tu le débloques soit en ligne ou sinon contre l'IA, tu peux le débloquer aussi. Enfin, le faire évoluer ou en perdre. Ah mais... Normalement, il doit avoir des indications... Merde. Ah putain. Il doit avoir des indications en haut à droite là qui lui disent. Faut que t'affiches tout là dans le ATH là. Ça te dit quoi? Oui bah voilà c'est ça. Mais ça te dit, t'as... Voilà, c'est ça. Bon bah ça c'est... ah bah voilà, et bah déjà respecte ça. Il faut que tu respectes ça en fait, c'est une espèce de... Je dirais, c'est un didacticiel en fait. Déjà en fait c'est juste pour t'apprendre à rouler proprement et tout quoi. Et au fur et à mesure en fait tu vas débloquer le TR, CN, CC, PC, SA. Comme ça, Cyril, il m'entend deux fois, il va être heureux. Ah merde. J'espère que les GT3 sont plus stables que la Porsche Cup sur, sur Bathurst. Hein. Bon ça, tu t'en sors bien quand même. Oui, oui, bah ça va mieux déjà. Ah, ça c'est parce que t'as tapé trop fort et faut que t'ailles au stand. Ah, voilà.
Ouais. Elle va vite. Elle va plus vite qu'une GT3. Ouais, j'avoue. La Cup ou la GT3? Non, GT3, c'est le mode carrière. Ça, c'est que tu as fait trop de mal. Bon, moi, du coup, je l'ai quitté complètement assez tôt, je vais faire spotter. Cet enchaînement, merde, cet enchaînement de virage est tellement stylé, quoi. Ouais, tellement dangereux. Ouais, c'est tellement propre. Bon, ça va, ça a l'air. Ouais, t'as l'air bien de t'en sortir quand même. Ça va, c'est. C'est mieux que tout à l'heure déjà. Bah, le tout c'est de s'améliorer. Oh, puis je pars déjà avec moins de pression que la semaine dernière sur Kyalami, quoi. Bah, c'est de la pression que tu t'étais mis parce que bon, après. Ouais, ah oui, exactement. Là, t'arrives en cours et tout. En plus, le championnat est bientôt terminé. Non ? Oui, bah c'est la dernière course. Ah oui, d'accord. Non, non, c'est les essais. Ah bah voilà. Ça, c'est normal. Bah ouais. Alors là, maintenant, après, ton ESA, tu le débloques soit en ligne, soit en carrière, enfin, quand tu fais une course contre l'IA. Et il faut que tu restes propre derrière des pilotes, en fait. C'est à moins de 0,5 secondes, je crois. Moi j'ai pris un point de confiance en plus. Calif. J'étais devant lui. C'est les califs. C'est les califs. C'est les califs. Ah, il va faire tout noir. Gay. Gay. 30. Bah oui. Je sais plus. Ça, j'ai plus touché. Ah, c'est. Mais attends, on repart de tout en haut. Bah, 100, je crois. 0, 100 et 30. Voilà. Ouais, bah après, faut le changer pour chaque bagnole, c'est ça qui est un peu merdique. Ouais. Ah, oui, non, zone morte, tu touches pas à ça. Non, ça non plus. Non, après le reste, tu touches pas. Un peu comme. Un peu comme ma bite, hein.
c'est tellement bon de taper le rupteur de 6. Pas beaucoup de cercle, tu es. Ça va être la petite descente quand même, elle aide bien. Oh, même sur le Paul Ricard avec la, ah ouais, la Porsche, ouais, Paul Ricard, la pick-up, tu. Il faut que tu assignes des boutons. Bah, ou sauf si. Non, tu dois être en automatique, les fleurs. Ah non, mais c'est normal. Ah, c'est normal ça. C'est normal. Ah. Un tour propre pour me qualifier et puis après j'essaierai de rouler un peu plus vite. Bon, ça va. Ah, ça c'est, il y a peut-être Est-ce que tu as une Renault de plus de 10 ans? Si oui, c'est normal. C'est normal. Tu prends la génération Mégane, Clio là, les deux là. Oh bah oui, oui, bah les premières Laguna, enfin ces générations de Renault là, tu peux être sûr qu'au bout d'un certain temps, c'est mort. Bon bah au moins comme ça. T'es chier quoi. Mec, il me cartonnait le cul. Par contre ça m'a pas mis de dégâts, c'est bien. Ouais. Mais c'était quand même assez violent. Ouais, par contre je crois que ça m'a fait gagner un peu de temps en fait. C'est au moins que tu peux prendre plus vite, quoi. Abu Dhabi. Ah, c'est pas 100%. Ouais. De 10-6. Bah bien, bien, bien. Et après, c'est météo sèche et... Voilà. Non, non, non. Si ça se trouve, ils vont peut-être sortir la nouvelle Porsche Cup sur Assetto. Oh là là,
Oh là là, oh ce serait beau. Bah oui. Bah oui. Mec, y'a des Renault. C'était violent ça. Ouais mais non mais c'est l'autre derrière, je l'ai vu arriver dans mon rétro, je fais ah, vas-y. De toute façon j'étais en retard sur mon relatif. Pas facile de faire une qualif quand t'es rapide sur, sur Batters parce que bah tu te retrouves bloqué. Contre ouais, plus ou moins quoi, on va dire. Non, c'est pas vrai, carré. Après en rétro du coup c'est soit la Red Bull soit la McLaren les 2010. Tu peux pas prendre n'importe laquelle, c'est la dernière que tu peux prendre, la RB6. Bah après faudra que je demande sur quoi vous roulez parce que tu sais. Oh, ouais. 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 Là j'avoue que ça change tout. Non. Et puis en F1 quand là encore quand t'as des dégâts légers, ça va, tu vois, tu peux rentrer facile au centre, on va dire. Mais en F1, quand t'as des dégâts, t'es mort quoi. Ouais. T'es mort! Mais faut continuer pour aller jusqu'au stand. De toute façon, les qualifs sont terminés. Bon, c'est bon, ouais. Je me qualifie bah, dernier, c'est bien. Ouais. Mais déjà, sur 15, 15, ça veut dire qu'il y en a 5 qui ont eu peur de toi. Voilà. Faut le voir comme ça. Ouais non c'est 20 les serveurs. Et qu'est-ce que je veux dire. Non mais tout à l'heure là on a fait une course là. Et j'ai fini P3 quoi. Parce qu'en fait il y en a plein qui sont sortis et tout. Oui. Alors bon. Après là t'as largement moyen de faire mieux en course. En bas t'as bien vu à ce point. T'es parti 13 à cause de moi. Et au final t'es arrivé. C'était quoi P8 t'avais fait. P6, P6. P6, ouais, P6. Attention, P6, ouais, P6. Parce qu'il y en a qui sont sortis. Ouais, il y a tout, Victor donc, qui a pris 80 secondes. Non, mais il y a eu ça, et puis il y a Tunsi et Fadoli qui sont sortis au dernier moment. Il y a aussi Kamikaze Uzi là qui s'est sorti. Lui, commence, il me remontait, je fais un tour de plus et il était devant moi, mais bon, il roulait plus vite, donc normal. Ah, salut Zoropa! Ah non, j'ai pas. C'est pas moi qui ai choisi. Hein. Mais j'aime bien la Porsche Cup. J'aime beaucoup cette catégorie. Ça me plaît énormément. Après, ouais, c'est vrai que c'est pas. Il aime souffrir. J'aime souffrir. Ouais, les 2010 aussi. Non, mais là, je vais voir. De toute façon, déjà en partant dernier, j'ai l'avantage au moins, c'est que. Il n'y aura personne derrière moi, donc déjà je vais pas me faire cartonner le cul au premier virage.
Puis bah après si devant ça sort, et ben ça permettra de remonter et puis voilà. Litres, sachant que c'est une conso à 2,31, j'ai calculé. Compris. Ouais, ça va le faire. À bout d'habit. Eh bah viens Zuropa, viens sur le Discord de la GRT là, ils font la CCGT Master, c'est justement là la Porsche Cup, ça fait partie de leur championnat en fait. Ils ont un championnat en GT3, ils ont un championnat en Porsche Cup, et là ils vont faire un championnat en Super Trofeo, mais je crois que c'est déjà plein. Et apparemment c'est bien, bien organisé, ça roule plutôt propre, enfin ça a l'air d'aller quoi. C'est la MCR qui me l'a recommandé. Donc je t'invite vivement à venir parce qu'ils vont lancer un autre Porsche Cup ultérieurement. Donc viens, ce serait bien. On serait bien, bien bien, si tu viens. Oh, oh je suis bien. Oh je bouge plus. Oh je ne bouge plus. Oh je vais bientôt démarrer la voiture. Bon bon. Bon, de toute façon, je pense que je peux pas faire pire que la semaine dernière sur. Ah, je pense que ça va être compliqué quand même. Sur Kialami. Kialami, c'était la débandade. Là, ça va mieux. Hein. Tout à l'heure, sur la course d'une demi-heure, j'ai pas fait énorme d'erreurs. Donc là, je vais faire attention à ce que je fais, à métrage. Tant pis si je suis lent, mais. Du moment que je finis entier, voilà. C'est sûr qu'il y en a un paquet qui vont se planter. Je vais t'inviter, Zuropa. Bah, sauf si t'es déjà chez eux, mais sinon, je vais t'y inviter. Parce que c'est. Ouh, l'autre de devant déjà est par au stand, bim. Et qu'est-ce que je voulais dire, je vais t'y inviter, et c'est un championnat, ce sont des Allemands. Tu veux que je l'invite au pire? Ah bah oui, Pika, vas-y, invite-le. Attends, est-ce que je l'ai quelque part, Zuro? Ouais, il est sur le Discord de... Hé hey, les amis, il y a mon correspondant d'Allemagne qui va venir. Oktoberfest. Il ne faut pas passer au dessert avant d'avoir goûté le plat de résistance. Alors on va éviter de spin dans cette partie-là quoi. Bah tu peux pas lui envoyer un message en privé. Bah j'arrive pas à le trouver. Ah. Mais il parle pas beaucoup aussi. Regarde sur le... Sur l'interteam. Bah, même sur... Non, sur le Discord de GGM, il devrait être peut-être plus présent. Sinon, tu peux lui envoyer directement via l'application Xbox. Ouais, je pense que je vais faire comme ça, ça sera plus simple. Cher Kevin. En plus,
Y'a plus de jus de pamplemousse. Moi ce que j'aime bien c'est la tête de PLS qu'il a à côté. Ouais. Sur le, tu sais, quand y'a le grand-père qui vient le voir à côté, tu sais. En plus t'as des putains de photos d'orgie et dégueulasse. Quand t'as le docteur Lachatte qui arrive et que... Attends, ouais. Comment elle dit technique de... Attends. Stimuli numéro 1. Stimuli numéro 2. Stimuli numéro 3. Ah voilà, c'est bon, c'est renvoyé à ce gros. Pas évident, je trouve. J'adore, c'est pour ça. Quand t'es en tour de chauffe, tu sais, t'es dans ton petit carré vert, là, enfin dans ta zone verte. Et puis dès que tout le monde doit se placer en double file, bouf, d'un coup, tu t'es en zone rouge, tu sais, prêt à te faire téléporter, quoi. Ouais, c'est bizarre, quand même. Ouais, vu qu'il faut qu'au début on est en simple fil, quand on est en double fil, je pense que la distance se réduit considérablement. Ouais, c'est ça, je pense que ça doit compter comme ça. Mais t'as pas d'intermédiaire en fait entre les deux. C'est ça. Allez. Je vais pas trop parler pendant le premier tour, vous m'en voudrez pas. Je vais commenter. Mais t'as pas ce que ton audio. Oh, je crois que ça spin devant. Je crois que tu t'es un peu chié dessus au premier virage à droite. Ouais, mais en fait, il a freiné de bonheur, il m'a fait peur. Je pense que ça freinait fort devant. Ah mais t'inquiète, je vois pas, moi non plus je parle pas à la maman, après monsieur Croppel je sais pas mais... Nine. Mais tu peux t'inscrire largement en anglais, voilà, y'a pas de soucis. ils ont un sens de l'hospitalité très particulier. Bon, je suis dernier, mais c'est pas grave. Non, je suis pas dernier, mais je suis dernier, c'est pas grave. Ah. Il y en a deux qui ont quitté. Ah non, il y en a un, il est parti des stands. Je crois qu'il y en a deux qui sont partis des stands. C'est bizarre, ils sont dans le même tour que toi, par contre. Ouais. Normalement, ils ont un tour de retard quand ils partent des stands. Bon, allez, on va compter sur ma régularité. En ce moment, je roule pas sur F1, c'est abusé. Ah, c'est spécial les rétros, mais t'as vu le son, c'est magnifique quoi. C'est pour ça que tu vois un petit event en 100% en rétro là. Ça va être. Je me tape très bien. Et Zoropa qui dit j'espère que t'as un bon carrossier sur Bathurst. Ouais, il... C'est... Ouais.
Rien à dire. Ah, disons, non mais en fait je... Ah non. En fait je, là je suis dans une portion où c'est compliqué en fait, donc du coup oui. je... Non mais comme j'ai 5 secondes de retard, bah pour moi t'es pas dans une portion compliquée si tu veux. Gros costaud. T'es avec Madame la chatte? Ah oui, je suis très malade. Un freinage un petit peu tardif. Ouais. Ah. Et il va débloquer son S à plus vite que toi, Flo. Fais gaffe. Bah, vu que ça fait tant de piges qu'il doit le débloquer. Rouler propre. Ouais, mais parce qu'en fait, il y a des serveurs où t'as pas de SA. Et t'as des serveurs où t'as un SA minimum à 1. Et donc quand t'es bloqué, bah tu peux pas y aller. Mais non, Pipoudou. Enfin, Pipoudou, tu sais bien que je ne suis pas un gros connard de vegan. Il faut mieux mâcher vos aliments, monsieur Lapine. Oula babal, oula babal.
Salut Mawa. Oui, j'ai un spectateur qui s'appelle Mawatan TV. Fait deux fois que je freine trop tard là, c'est chiant ça. Et on mange les fleurs. Nous on fait le tour et on mange les fleurs. Je sais pas, après vous êtes bizarre les paysagistes. Si. Ça va et toi? Et ouais. Et si tu veux, on fait une petite bagnole avec ta bagnole devant mon camion. Je suis sûr de gagner. Ah non, je suis sur Xbox. Xbox One précisément. One S pour être encore plus précis. Blanche pour être encore plus précis. 1 Tera de mémoire. Enfin, je crois. Ah ouais, c'est surtout ça, c'est dommage. Ça fait beaucoup une tonne. Ouais, non, mais sur la Porsche Cup, je me contente de finir la course. C'est tellement compliqué comme catégorie, mais tellement kiffant une fois que tu l'as en main. Que...
Les endroits, tu vois, je pourrais freiner plus tard. Genre là, je peux freiner plus tard. Le virage avant la ligne d'arrivée, je peux freiner plus tard. Mais bon, pour l'instant, je... je serais toi, je ferais une réclamation à la poste. Hein. Non, elle suce avec le cœur, Pipoudou. Bien. Bah oui, sur PlayStation, oui, tu peux jouer avec des amis. Si t'as des amis sur PS, tu peux rouler avec. Et bah, tu as tout le temps pour te taper une petite. Heureusement que j'ai mis mon stream, il était réservé aux plus de 18 ans quand même, hein. Peut-être aussi. La semaine prochaine, non, mais peut-être celle d'après. Vendredi. Comme Noël, quoi. Surtout qu'il y a 7 jours d'écart. Je t'en prie, Mawa. Oui, ma voix. On suppose et Picflo et Oli. En vrai, c'est vrai, Flo, c'était une bonne idée, hein, le pic Flo Academy, ça aurait pu être propre. Les règles du Hulk, Hulk. Parce que moi je veux du Hulk, Hulk. Comme son Hulk, Hulk.
demandé qui allait oser la faire, quoi. Ouais, j'étais en train de me préparer. Hein. Je t'avoue que... Ah, je l'avais en tête, hein, mais jamais j'aurais été capable de la faire. Ouais, c'est la première fois que tu l'as fait. Hein. Normalement, c'est moi, ça. Ta mère, je l'invite à dîner. Yeah, yeah. Ta mère, je l'invite à dîner. Yeah, yeah. Ta mère. Ah, merde. Tu sais quoi? Je la rappellerai jamais. Ah, je le redoute toujours ce petit passage parce que t'es vachement délesté de l'arrière. Ouais. J'écoute beaucoup la voiture et là. Ouais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui est chiant, c'est quand tu te plantes là-dedans en plus, alors non seulement tu mets les autres en danger, et puis toi pour repartir, ah, c'est la misère. Galère, quoi. Il suffit que tu spins, tu te retrouves la tête en arrière, bah alors là, laisse tomber. C'est calme. J'aime quand c'est un peu plus moins calme. Les gogo. Ça te tendre. T'es tendu comme un string n'attache. Mais non, je suis pas tendu. Je te dis que t'es tendu. Si je te dis que t'es pas tendu, c'est que t'es tendu. Allô, maman, je suis carjacké. C'est excessivement énervant d'entendre quelqu'un qui mange des chips pour celui qui ne mange pas. Compris. Éducation minimum. B9. Moi je t'avoue, je suis comme dimanche soir, hein. J'ai les yeux qui sont fermés les trois quarts du tour là. Je pense que les 7-8 minutes je vais même pas les tenir. Je traite plus les mers. Je traverse même quand le petit bonhomme vert.
T'imagines une course d'endurance avec la Porsche Cup? Non. Non. Non, non, pas de mauvaise idée. Pascal, il en a déjà assez. Mais non, mais non, mais non. Non, mais pas Porsche Cup. Non, 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 non. Non, non, non. No, God, no, no, ah, si. God, no, 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 no. Oui, c'est ça, Europa, c'est la dernière course de ce de championnat, pour au moins pour cette saison-là. Mais je crois qu'ils ont dit qu'ils allaient en faire. Et j'ai hâte. Si tu fais une traduction en allemand. Ouais. Das ouais. Große Karte. Ouais, je pense qu'ils ont repris le. Non, non, je pense qu'ils ont repris le format original de la Porsche Cup. C'est des courses sprint de 30 minutes, il me semble. Ah, ouais, c'est un bon résultat. Vas-y, passe, je sais que t'es plus rapide, voilà. Fais plaisir. C'est trop ça. Zoropa dit 2 heures sur batteur, c'est en endurance, tu finis en miettes. Compliqué. Compliqué comme circuit quand même. Ouais, le freinage aussi, il a été compliqué. Ouais. Parce que dans les enchaînements là-haut, il laisse pas vraiment le droit à l'erreur. Non. Bizarrement, je fais pas énormément d'erreurs là-haut, c'est surtout le freinage après le ouais, la ligne droite où je fais des erreurs. T'as du mal, ouais. Ouais. En fait, la voiture elle se coupe et enfin là, j'ai loupé mon repère de freinage, j'ai freiné un panneau plus tard. Ça fait quand même pas mal. Ouais, Europa, ce soir c'est open pelouse. C'est Honda style. Cette partie est tellement kiffante du circuit, c'est incroyable quoi. Je l'avais jamais vraiment roulé quoi, mais tellement. Elle fait tellement peur, mais tellement bandante à prendre en même temps quoi, c'est. Oh. Je veux bien me croire.
Merde, c'est bon. Ah, pareil, un chouille trop tard. Je vais pas me faire prendre un tour par le premier quand même. Sur une demi-heure, c'est ça. Ouais, c'est moralement c'est dur quoi. Bon après, on est en Porsche Cup. Seuls les pilotes roulent en Porsche Cup. Donc, ça veut dire que je suis c'est un pilote. Quand même parce que j'en ai fait ouais, une avec non, toi. C'est quand même, oui, c'est une catégorie à part quand même, je trouve, ouais, en Porsche Cup, parce que beaucoup la redoutent quoi, mais elle est tellement bien quoi. Mais t'as aucun rapport par rapport au GT, que ce soit tour 3 ou 4. C'est une approche totalement différente. Ah bah tu reviens plus aux bases, à l'essentiel de la course, enfin du pilotage quoi. Pas de contrôle de traction, pas énormément d'aéro. Mais ça tourne quand même, enfin ça marche fort. Ça marche plutôt fort quand même quoi. Si je loupe pas mon freinage, je prends pas un tour. J'ai bien anticipé là, hein. J'ai même relâché le gaz au freinage. Non. Il s'est réveillé. Mais je suis pas loin. Mais j'arrive pas à le voir. C'est bientôt fini. C'est bientôt fini, Pika. C'est bientôt fini. Ça sera déjà un exploit si j'arrive même les 2 minutes là. Wow. Faut que je m'assoie déjà. Faut pas que je m'allonge. Oh, c'est pas mieux. Oh, c'est pas mieux. Oh, je suis bien. Oh, je me choque. Là, c'est sûr, je vois pas. Là, c'est une prouesse sans finir entier sur Batters en Porsche Cup. Va-t-il freiner au bon endroit? Oh, je vais essayer de le passer au moins une fois bien. J'ai réussi à ouvrir les yeux au bon moment. C'est une prouesse. Oh oui, ça va comme oui, ça oui, 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 oui. T'es pas obligé de mettre la première. Je voulais assurer le coup quand même. Bim, 91 de SA, c'est beau. C'est propre.
Allez, on va faire un petit tour d'honneur. Merci Mawa. Bon, ça va, P8. Bon, j'ai surtout clairement profité des erreurs des autres, quoi. Mais bon, ça prouve encore une fois que la rapidité, c'est pas le... Ce n'est pas, c'est pas ça qui fait la course, quoi. Bon, je vous dis à demain. Oui, merci d'avoir regardé, merci d'être resté. Avec plaisir, et comme demain. Si ça t'intéresse, vendredi, les Brosport Racing, les BSR, ils organisent une endurance de 2 heures sur Suzuka. Non. Comment ça? Non. Je commence à dire non. J'ai appris. Faut savoir dire non. Non, mais là, Suzuka, non, j'ai pas le temps. Oh. Non. Alors, je vais encore avoir une grosse fin de semaine, donc ça va être compliqué de tenir. Rien que physiquement, quoi. Ah, d'accord. Bon, bah allez, à demain. Ouais, pour la, bonne soirée. Pour la F1, puis bisous. Pierre, l'entrée des stands, elle est abominable. Oh, merde. Non. Mais non, mais... Ah, c'était propre. Bon, allez. Bon, je vais arrêter le live ici. Merci de m'avoir regardé, les enfants. C'est toujours un plaisir d'avoir du monde, même si vous êtes peu nombreux. Mais ce n'est pas la quantité qui fait le stream, mais la qualité. La qualité des gens qui nous regardent, voilà. Bon, bah, allez. Du coup, prochaine course. Enfin, non. Demain, je fais du commentary sur F1. Ce sera Singapour, sur la chaîne Gateg. Vendredi, 2h de Suzuka en Nissan. Samedi, c'est la F2 en commentary. Et puis, bah, voilà. Bah allez. Bonjour et merci.